bien le bonsoir, messieurs dames. Aujourd'hui, je vais vous partager ma passion pour le montage. Vous connaissez mon penchant pour les frag movies, l'editing, et encore plus quand c'est avec des clips de jeux vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai des centaines et des centaines de clips sur Valorant qui traînent sur mon PC. Des clutches, des aces, des beaux moves. Je savais pas quoi en faire. Aujourd'hui, on va tenter un truc original. J'ai fait une sélection de tous ces clips et j'ai proposé à différents monteurs à travers le monde d'en faire des montages. Alors ça peut partir du montage juste marrant, ou alors un montage de fou, avec de la 3D, de la mise en scène et des effets de zinzin. Aujourd'hui, on sort la CB et on dépense pour l'amour de la création. Vous le verrez dans cette vidéo, tous les clips de chaque montage sont différents, donc vous découvrirez toujours mes clips, et en plus de ça, on sera sur des styles artistiques vraiment différents à chaque étape. On va commencer d'un simple montage de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. J'espère que je vais pas me faire arnaquer. Premier montage. Je vais éditer vos clips Valorant dans un montage incroyable. Ok, ça fait 2 ans qu'il fait ça. Il fait des transitions, color correction, sound design et tout, putain. Ok, il faut au moins du 30 fps et tout, normal. Alors là, je vais t'envoyer des clips, mon cousin. Attends, on va regarder un peu ce qu'il fait. Waouh. Alors, c'est pas forcément les editings que je préfère, mais vous allez voir, on aura différents styles. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai trop hâte. Et c'est pas cher, hein. 4 euros. Oh, il m'a même fait une miniature gratuite. Eh, mais ça se trouve, je pourrais les poster sur le studio. Ah, je suis refait. J'aime trop ce concept. On découvre en live ensemble. Oh, petite musique. Ok, donc déjà... Oula. Oh, je suis pas fan, là. Oh. Let's go. Ok, pas mal, pas mal. On voit pas beaucoup les kills, mais... Pour l'instant, il y a juste de la 5 et de la transition, quoi. Ça, c'est l'opérateur, mon garçon. Bam. Et il lui met du Twixtor à la balle, hein. On voit même pas mes quickscopes. Ça va vraiment très très vite, hein. J'ai pas le temps de voir les clips et tout, moi c'est pas vraiment ce que je préfère. On voit même pas quand on scope et tout. En tout cas, la 5, elle est bonne. À chaque fois, c'est très simple, hein. Il fait vraiment transition avec un effet un petit peu de glow. Oh waouh, ça s'arrête d'un coup. Ouais. Bon après, c'est normal, franchement, 5 euros c'est vraiment pas cher et c'est déjà très très clean. Mais en fait, je trouve que ce genre d'edit, bah, ne met pas en valeur les clips, on voit pas trop ce qui se passe. Et comme moi, je joue beaucoup à l'opérateur, si tu mets pas un peu de contexte, bah en fait, tu vois juste une lunette qui tire. En fait, on voit pas viser, bouger, me déplacer, donc je trouve ça moyen. On sait pas ce que je préfère en tout cas. Bon, on commence tranquille pour vraiment avoir les bases. J'ai hâte maintenant de voir vraiment le dernier qui sera à plusieurs centaines d'euros. J'espère que ce sera bien. Oh waouh, ça va être pas mal. Je vais vous faire un montage marrant avec une miniature gratuite. J'ai pas eu la miniature. Donc là, on est déjà un peu plus cher, hein. Là, on est sur 23,84€. So you have some juicy Valorant clips and you are looking for an editor. Là, on va avoir. Right. Well, first I'm the funniest guy in the universe, blah blah. Ah, j'aime trop ce genre de truc. J'ai hâte de voir. Tu es gamer, streamer ou youtubeur, tu as sûrement des clips épiques. Je vais créer les minutes les plus marrantes de l'univers. Regardons ça. C'est parti. Oh, Rick et Morty, let's go. J'aime trop. Oh, il m'a mis dans Rick et Morty. J'adore. Oh, jeez, Rick, oh my god. Finish him. Shakalaka. Let's go. Bon, pour le moment, c'est beaucoup du sound design, du coup, il n'y a pas beaucoup de choses visuellement, quoi. C'est un peu à l'ancienne, quoi, les points exés. Ah, le bruit de paix. Ça manque de visuel. Ah, c'est long, le montage, frère. Et il grappille des minutes, là. Il se passe rien. Le game, il n'y a que des proutes partout, en fait. Mais on voit même pas le kill. What are you doing? Hanging around. Oh, ce que j'ai mis. Oh non, il m'a gâché mon clip. Il me l'a gâché. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes déjà plutôt fan des montages marrants ou plutôt de premier degré? Oh wow, qu'est-ce qui se passe, petit slow motion? Oh, j'avoue, c'est quoi cette dinguerie? Je lui mets dans la tête. Regardez, là normalement il meurt, hein. Ah, Valorant. Et je suis sûr je meurs. Nope. Nope. Oh, nope. Le clip de Zinzin, nope. Je me rappelais plus de ça. Oh, le clip de Zinzin. Oh, ça c'est ma grenade spéciale. Oh, mais il l'a cuté. Oh là là, il a tout cuté. Oh, le massacre.
Oh, il a tout cuté. Oh, il a tout cuté. Moi, ça me fait mal au cœur. Je ne valide pas, monsieur. L'idée de l'intro, elle était marrante avec Rick et Morty, même si je pense que c'est un peu overused. Et en fait, ça manquait un peu d'incrustation d'images, de petits rotos, des petits trucs sympas. Parce qu'en fait, je pense qu'il a juste une banque. Ce qui est normal, encore une fois, c'est vraiment pas cher. C'est juste pour le fun, tu vois. Mais il a une banque de même, un peu comme ça, en green screen, qu'il doit mettre un coup de temps en temps. Mais encore une fois, c'est comme le premier. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Quand on fait de l'editing, quand tu fais une frag movie, ce qui est important, c'est de comprendre les clips. Parce que Valorant, notamment à l'opérateur, si tu mets que le moment où tu tires, c'est nul. Parce que tu vois pas. Qu'est-ce qui fait que ce move est beau? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Les déplacements, les réflexes, la frag movie, l'art de l'editing, les amis. Vraiment, c'est pas rien. Et il y a trop de monteurs qui oublient ça. Le montage, c'est fait pour mettre en avant, c'est fait pour mettre en lumière des beaux clips. Et le montage, l'editing, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça l'accompagne, ça l'améliore. Partons dans des montages plus poussés. Je vous ferai un montage 3D. Oh yes, là on va avoir de la 3D alors. Ici, c'est 200 euros. Là, j'ai trop hâte de voir. Oh wow, une lumière, c'est quoi ça? Oh stylé, oh j'adore. Oh yes. Tu vois, encore une fois, là c'est stylé, mais du coup tu vois pas trop le move qui est méga stylé. On voit ici que c'est quand même beaucoup plus poussé, hein, que ce soit dans la color correction, il y a du bloom de partout, il rajoute des lumières. Regardez ça, moi j'adore ça, là il y a un petit flair avec l'arme, c'est tout flou, c'est beau. Il a 3 ans d'expérience, putain il fait déjà ça en 3 ans. Il utilise Sapphire, Blender, ah ouais putain il fait la 3D avec Blender, incroyable. C'est parti, oh let's go Jet, mon main avec l'opérateur bien sûr. Oh il a fait un petit truc stylé hein, Cyril, c'est moi. Oui. Wow. Nice, ça j'aime bien ça, ça j'aime bien. Yes. Oh nice, il a recréé toutes les scènes en 3D. Ouh. Voilà, là on voit le réflexe, c'est bien, on voit le turn. Voilà, il faut laisser les actions, très bien. Nice. Oui. Ah les scènes 3D elles vont trop vite, j'ai envie d'en voir plus. Les transitions elles sont vraiment stylées. Nice. Là, c'est mieux édité, c'est mieux qu'était. Vous avez vu la différence? Ce clip, il était là tout à l'heure. Vous avez vu la différence? Ça a plus rien à voir. Nice. Putain, il y a des sacrés moments. Hein. Moi, j'ai kiffé ça, là. Ça, c'était stylé. Oh, j'adore. Oh là là, celui-là aussi. Hein. Parce que là, regardez, je suis sur une 3 kills. Il y a un réflexe de fou. C'est pas mal. Et voilà, on voit que c'est fait en plus sur mesure. Parce que ce premier clip, là, avec cette petite DA 3D, c'est vraiment l'illustration du premier clip où je lâche un noscope à Sage. Mais vous voyez, avec l'editing, en vrai, j'ai pas l'impression que... Si, on voit en vrai, mais ça va tellement vite. Ça, c'est stylé aussi, là. Les petits éclairs sur la hache. Franchement, je suis satisfait. Ça vaut son prix aussi, hein. Parce que tout à l'heure, imaginez, c'était 5 euros, 20 euros, c'est vraiment pas cher. On va passer au dernier montage. Budget 400 euros. Ah, lui, il fait du Valo, Fortnite et CSGO. Ah, déjà, j'adore le texte comme ça. Moi, j'aime bien, là, c'est discret. Restless. Ok, on a une scène 3D. Oula. Oui. Ouais, y a beaucoup d'effets là. Là par contre ça a du style, là le texte est vraiment beau. C'est vrai que le texte de tout à l'heure il était pas beau hein. Je suis moins fan de ces color correction. Ouah. C'est plus cher mais ça a l'air moins maîtrisé. On va voir. Alors ici on est sur une équipe, il y a plusieurs personnes qui ont bossé dessus. Let's go. Before we begin, oh il y a une histoire. Allow me to paint you the full picture. Incroyable. On va avoir un petit scénario. Petite raise. Ah ouais ils sont partis sur un court métrage là. Waouh. Omen. C'est quoi cette dinguerie? Qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh, c'est trop stylé! Oh! Here comes the party. Nice, le sound design. Ok, elle est bizarre leur color. Control spray! Nice! Ah, franchement, c'est stylé! J'aime bien. Bam. Ah, le retour de la cinématique, ok. Ah, ça, c'est stylé. Avec les yeux d'Omen. Waouh, on travaille sur Arcane. Là, les cinématiques sont folles. Oui, là, c'est bien édité, ça. Ça, c'est très bien édité. Nice. Un peu trop d'effet, on voit plus rien, mon zinc. Hein. Attention. Ah, dommage, ils ont cuté un peu le mouvement, on voit pas trop. Edit by Krage.
stylé. Franchement, par contre, les cinématiques étaient incroyables. J'aurais trop voulu en voir encore plus. Ah, ça, là, moi, les scènes comme ça, j'adore. Celle-là, elle est incroyable. Il y a un compositing vraiment stylé. Parce que lui, c'est un peu 2D. Ça rend super bien. Celui-là, là, je suis fan. Et les clips étaient franchement bien édités, je trouve. Je suis un peu moins fan de la color correction. Toujours, il y a de l'aberration chromatique sur les côtés. On est juste un peu plus saturé. Mais voilà, on est sur un truc moins cinématographique, je trouve. Mais ça reste très, très bien. Après, ouais, il y a vraiment beaucoup, souvent, d'effets. C'est beaucoup très flou. Et d'ailleurs, il applique un filtre un peu bizarre qui rajoute vraiment une sorte de clarté. Du coup, les traits sont pas très droits. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis, voir ce que vous en pensez. Il me reste encore plein de clips. Je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Est-ce que j'upload une compilation sur la chaîne? Tenez-moi au courant dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci à tous ces monteurs qui ont bossé sur ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.